أحبه وقربه وعطاه. عباد الله، إن أفضل وأعظم الفوز هو الدخول للجنة والنجاة من النار، فقد قال الله تعالى في ذلك في سورة آل عمران حين قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، في سورة آل عمران. ولذلك كان رسول الله في من السنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله جنة ويستجير به من النار. وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: علمها هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكل أنواع الدعاء تهدف في نهاية إلى الدخول للجنة، هذا شيء مطلوب. واستعاذ من النار عباد الله، فقد حصل سؤالها عليها وهي في الدوس العالى. ففي الصحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه في الدوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله. Chers frères et mes chers sœurs à l'islam, craignez Allah. Allah nous interpelle dans les cinq morts, dans les surah Al-Imran. Oh, vous qui ont cru Allah, craignez Allah, vraie crainte, et ne mourrez pas si vous n'êtes pas déçu. Chers frères, chers sœurs à l'islam, Imam Ahmed a fait sortir hadith. Cet hadith est apporté par Anas ibn Malik. Anas dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelqu'un qui croit en Allah et il demande à Allah paradis trois fois successives. Oh Allah, je suis ton serviteur, je te demande, accorde-moi le paradis. Trois fois, de prononcer sept mots, que ça soit en arabe ou que ça soit en langue. Le prophète a dit, quand tu vas faire cette demande, sans que le paradis elle-même, le paradis va dire, oh Allah, accorde-lui le paradis.
Le paradis même va s'adresser à Allah, il va dire, Allah, accorde celui qui demande paradis, accorde-lui paradis, autrement dit, mentionne son nom parmi les habitants du paradis. Le prophète a continué et il a dit, il n'y a pas quelqu'un ou quelqu'une qui va chercher le fil auprès d'Allah contre l'enfer. Trois fois successives. C'est-à-dire de dire, oh Allah, préserve-moi contre l'enfer. Oh Allah, préserve-moi contre l'enfer. Oh Allah, préserve-moi contre l'enfer. Allahumma inni a'uzubika minan-nar. Allahumma inni a'uzubika minan-nar. Allahumma inni a'uzubika minan-nar. Trois fois successives. Le prophète a dit, l'enfer, elle-même va demander à Allah, l'enfer va dire, il la colette, oh Allah, l'enfer va dire, Allah, préserve ce monsieur contre moi. Préserve ce monsieur contre moi. Préserve ce monsieur contre moi. Chers frères, chers sœurs, al-Islam, dans cette hadith béni, vous allez voir que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous appelle de venir demander à Allah paradis et de demander à Allah de nous préserver contre l'enfer. Cela nous enseigne qu'on peut gagner paradis de demander Allah. Quand tu demandes à Allah, tu es sincère. Dans tes invocations, Allah peut t'accorder le paradis. Voilà les hadiths. Vous appelez ça? Ici, le prophète nous motive. Dans tout nous à croire, les droits que nous faisons beaucoup, mon frère, ma soeur, il ne faut pas oublier de demander à Allah le plus meilleur que le paradis. À chaque moment dans tes invocations, il ne faut pas oublier de demander à Allah. Et les savants nous disent, le moment que quelqu'un dit Allahumma inni as'aluka al-janna, oh Allah, moi ton serviteur, je te demande encore pour le paradis. Et là, de ce moment directement, tu fais demander, et c'est dans cette demande, c'est comme tu es en train de demander à Allah même temps. Dès que tu dis Allah, accorde-moi le paradis, si Allah t'accorde le paradis, cela montre directement que Dieu t'a préservé contre l'enfer. De dire que Allah, accorde-moi le paradis, c'est comme tu es en train de dire accorde-moi le paradis, préserve-moi contre quoi? L'enfer. Ça, c'est très important, chers frères. Parce qu'il y a des frères, il y a des sœurs, il faut les voir. Mais les droits aux limites. Allah, j'ai tel problème. Allah, le travail, ça ne marche pas. Allah, je suis malade, apporte-moi la santé. Allah, j'ai tel projet. C'est bon, c'est vrai. Allah, il a tout. Mais il ne faut pas oublier de demander à Allah paradis. C'est ça qui dépasse tout. Parce que tout ce que nous gagnons sur cette terre, ça finira. Mais c'est ce que nous avons gagné auprès d'Allah qu'il a préservé dans le paradis. Cela est éternel, ça ne finit pas. Car Allah nous a accordé le paradis. Et le prophète Mohammed, il a dit, il faut demander aussi à Allah de te préserver l'enfer. Dans cette hadith, le prophète nous montre, on est qu'à chacun, à chaque moment, de demander à Allah de nous préserver contre l'enfer. Il a dit, Wallahu subhanahu wa ta'ala, Allah le péter, le tout puissant qui est au-dessus, yuhibbu an yas'al, Allah fait qu'on lui demande. Allah, il aime que les gens lui demandent. Et il se lève quand on ne lui demande pas. Allah se lève. Allah n'aime pas les gens ou les hommes, les femmes qui ne demandent pas à Allah. Allah se lève. Il a dit, fa'ahabbu khalqihi ilayhi aksarukum lahu subhanahu. Les serviteurs que Allah il les aime beaucoup, ce sont ceux-là qui invoquent Allah. Allah les aime. Allah il aime qu'on lui demande le matin, le midi, le soir, la nuit, le moment que les gens dorment. Tu te lèves, tu implores devant ton Créateur, Seigneur de tout. Allah j'ai tes choses, Allah j'ai tes choses, Allah je te demande paradis. Et il a dit, pourquoi je fais vous Al-Mu'ini fait droit. Allah, il aime les gens qui persistent dans le droit. C'est-à-dire, il faut ça continuellement, à chaque moment. Il ne laisse pas droit. Ce n'est pas aujourd'hui que tu demandes paradis de métier. À chaque moment, il faut demander à Allah. Tant que Dieu te donne la santé, la langue, tu peux demander, fasse-la. Demande. Et là, tu vois, pour l'homme, Allah, tu fais
عليه في السؤال. À chaque moment, quand le serviteur, tu as le courage de demander Allah, tu as le courage de demander Allah, أحبه. Allah il va t'aimer. وقربه. Il va te faire approcher à lui. وأعطاه. Il va te donner ton souhait. Allah أكبر. Voilà les trois choses. Quand tu demandes à Allah, toujours daïman, tu lui demandes, il va t'aimer. Il va te faire approcher à lui. Et il va te accorder ce que tu as demandé. Parce que toutes choses, c'est lui Allah qui contrôle tout et il a tout. Chers frères, chers soeurs à l'islam. Oui, on nous montre ici qu'on est qu'à demander Allah le paradis. On nous dit, Inna afdal, ce qui est plus meilleur, wa ma'azam, qui est plus honoré, al-fawzu, d'avoir la chance. C'est ça qui dépasse. Mais quelle chance? Il a dit la chance pour le Lidjana. La chance qui va te donner accès au paradis. Toute la chance que tu vas gagner, il n'y a pas la chance qui demande, qui dépasse de gagner la chance d'accéder au paradis, de rentrer au paradis. Wannajat min al-nar, de sauver contre la paix. Et là, c'est ça qui est le plus meilleur des choses. Voilà pourquoi Allah a exhorté, il a mené ça dans le passage de Sourate Al-Imran, verset 185. Allah a exhorté, dit Jésus. C'est commencé par Allah, chaque homme goûtera la mort. Et là où on va payer vos œuvres, vos travaux, il dit c'est Yom Kiyama devant moi. Arrivé là-bas, il dit celui que Dieu t'a écarté de l'enfer, il t'a éloigné de l'enfer, il t'a sauvé de l'enfer. Et Allah t'a fait accéder au paradis. Allah n'est pas qu'un phare. Certes, la personne a eu la chance. La personne a eu la chance. Toute personne qui arrive au Yom Kiyama, tu es dans le paradis, Allah t'a éloigné de l'enfer. C'est à cause de ça, les gens du paradis, quand ils vont rentrer dans le paradis, voilà le mot qui vous dit. Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Il dit louange, gloire à Allah. Celui qui nous a orientés envers cette bonheur, c'est-à-dire l'islam. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes dans le paradis. Si ce n'est pas la clémence, le pitié de Allah qui nous a guidés, on ne devrait pas être dans le paradis. Parce que la guidance, chers frères, nous sommes remplis là dans cette mosquée, en train d'écouter Kalallah, de s'incliner, de se prosterner. Ce n'est pas notre puissance, c'est le vouloir d'Allah qui nous a guidés. Sois reconnaissant de l'idée, Alhamdulillah, là, tu vois. Demandez à Allah paradis. Voilà pourquoi il a dit Yom al-Qiyama, celui que tu as donné le paradis, il t'a sauvé de l'enfer. Vraiment, la personne a eu la chance. Allah donne la chance. Amen. On nous dit ça à cause de ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit on n'est qu'à demander à Allah paradis. Et on n'est qu'à demander à Allah de nous préserver contre l'enfer. Demandez-le, chers frères, c'est très important. C'est très très important. Mais quand tu vas demander à Allah, il faut commencer à lui glorifier ses noms, à lui louer son nom, à lui attribuer le nom qui appartient. Et après, tu fais salat sur le messager prophète. Et après, tu demandes à Allah ton souhait. C'est comme ça le prophète lui a passé. Ça peut être ça, c'est béni dans les authentiques ibrahimiens. Cette hadith a été apportée par la mère des croyants, qui est notre mère Aïcha, avec son père. Elle nous dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, m'a enseigné. Aïcha dit, le prophète m'a enseigné. Cette invocation bénie. Voilà l'invocation. Que le prophète m'a enseigné de demander à Allah de dire Allahumma inni as'aluka al-jannah. Oh Allah, moi je te demande le paradis. Wa ma qarraba ilayha. Avec tout ce qui va me faire d'approcher le paradis, Allah facilite-moi.
Mais quand, si c'est dans des propos qui va me faire gagner paradis, Allah facilite-moi ces propos pour que je la prononce. Aou, ou soit Amal, c'est l'action que je vais poser pour que ça me donne paradis. Allah facilite-moi pour pouvoir poser cette action. Oh Allah, je te demande le refuge. Préserve-moi contre l'enfer. Et tout ce qui peut me faire approcher l'enfer, Allah écarte-moi. Mais quand on dit, si c'est le propos que je vais tenir, ça va me conduire de l'enfer, Allah préserve-moi. Ou soit Amal, c'est l'action que je vais poser, ça va me conduire de l'enfer, Allah préserve-moi. Notre mère Aïcha dit, c'est le messager qui m'a enseigné cette parole. Les savants nous disent, dans cette parole, ça nous montre trois choses. La première des choses, les causes, tout ce qui va me faire approcher. Allah facilite-moi. Parce que c'est Allah qui facilite. Tu ne peux pas t'élever, aller faire l'ablution, venir prier, s'incliner, se prosterner, donner 10 minutes, 20 minutes à Allah. Si Allah n'était pas organisé, demande-lui de te faciliter. Parce que c'est Allah qui facilite. Et toute l'action qui amène l'homme dans le paradis, tu ne peux pas là, que ce soit l'action parole, l'action propos, l'action des actes, tu ne peux jamais la faire sauf Allah t'a facilité. Voilà pourquoi ici, vous allez voir que l'action peut donner le paradis. Les propos aussi peuvent donner l'homme au paradis. Voilà pourquoi. Toute l'action qui va te donner au paradis, il ne faut pas la négliger. Et tout propos qui peut te apporter le paradis, il ne faut pas aussi la négliger. C'est ça qui est cette tradition. Parce qu'il a dit, que ce soit le propos qui va me donner le paradis, que soit l'action, Allah apporte-moi. Wakazalika, la manière que propos peut apporter quelqu'un paradis, ça peut être l'action peut apporter quelqu'un paradis. Autrement dit, c'est comme ça propos peut accorder quelqu'un l'enfer, que Dieu le préserve. C'est comme ça l'action aussi. C'est pour cette hadith, cette boîte, c'est très très important. Tout le monde, on fait l'effort. Allahumma inni as'aluka al-janna wa ma qurraba ilayha min qawmi aw amal. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. إلى أن وكل أنواع الدعاء، كل الكاليتي دي زيفوكاسيون، تختف في الإناء في النهاية إلى الدعوة. على كونكلوسيون سيت دوا تامين دي دوماندي بارادي فيتنا. سيت دوا سويتي. وَإِسْتِعَاذَ مِنَ النَّارِ à la conclusion de cette loi, ça te demande de refuge contre l'enfer, faites des doigts. Chers frères et soeurs, on nous dit, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous motive de demander à Allah paradis, mais laquelle? Le paradis qui est au-dessus de tout le paradis. On dit, si tu ne la connais pas, c'est ça qui est paradis, frontos, qui est au-dessus de tout le paradis. C'est venu dans l'authentique Bouhar. Cet hadith, le prophète a dit Faïza sa'altum al-janna, Faïza sa'altum Allah. Si vous voulez demander Allah paradis, demandez Allah, fas'aluhu furdaus. Le prophète a dit demandez Allah paradis qui s'appelle furdaus. Le prophète a dit Faïnaou, parce que paradis furdaus. C'est lui qui est au milieu du paradis, qui est le meilleur du paradis, wa Allah qui est au-dessus de tout le paradis. Il a dit, wa fawqa arshir rahman, sous le paradis, Firdaus, c'est au-dessus qu'il y a l'arche d'Allah, les tout miséricordieux. Wa minhum, dans le paradis, Firdaus, tufajjaru anha, les ressources du paradis, c'est là que ça sort. Les miel, le broc, l'alcool. C'est là que ça sort. Le prophète a dit ça pour ça. Quand tu vas demander à la paradis, demande-lui paradis, Firdaus. Chers frères, chers soeurs, à l'islam. Paradis, c'est le meilleur des choses. Si Allah est à accorder.
Oui. C'est le meilleur des jours. Dans les sourates As-Saffat, Allah a exhorté à amener l'histoire de deux messieurs qui sont des amis. L'autre est croyant, l'autre est non croyant. Celui qui est non croyant, il s'adresse à celui qui est croyant. Il dit, mais toi tu crois? Est-ce que tu crois que Allah est capable de nous faire venir dans la vie? C'est-à-dire, il a été dénié la vie de l'eau et la main. Son ami dit, oui, je crois. Il dit, moi, je ne crois pas. Et quelqu'un qui ne croit pas immédiatement, il est quoi? Il est capable. Et voilà, les deux messieurs, ils sont morts. Celui qui croit en Allah, il se trouve dans le paradis. Il ne savait pas que son frère n'était pas croyant à travers de cette croyance. Toute personne qui ne croit pas la vie après la mort est kafir. Il regarde dans le paradis à gauche, il regarde à droite, il ne voit pas. C'est de là qu'Allah dit, quand la croix est devenue. Un des gens du paradis, il a dit, il n'y a qu'un ni corinne. Quand on était dans la vie de Dunia, j'avais un proche, c'est-à-dire un ami. Il m'a dit, ah, toi aussi, tu es parmi ceux qui croient que Aïssa a mis une main au bout de ils ont même, Aïna l'a dit. Tu crois que, toi tu es parmi ceux qui croient qui dit, si Allah dit si nous sommes morts, on nous a enterrés, on est devenu poussière, est-ce que Allah est capable de nous amener dans la vie? Toi tu crois? Son ami a dit oui, il dit moi je ne crois pas, Allah est capable. Voilà ce qu'il a en train de penser. Allah lui pose question, il dit Al-Antoum, toi les gens. Tu veux le voir? Parce que dans le paradis, l'homme tient chef. Voilà pourquoi on a amené Al-Antum, on n'est pas dit Al-Anta. Voilà dans le Coran. Ou Mulikan Kabira. C'est comme ici, tu veux parler à un grand type, s'il vous plaît. Maintenant, il a, quand tu es dans le paradis, maintenant, c'est s'il vous plaît qu'on te parle. Allah dit Al-Antum, toi, tu veux qu'on va te montrer là où il est. C'est comme il a dit, oui, Fatala, Allah levé la voix. Son ami a dit Faraha, au fils, Sawa, il dit. Je l'ai vu, il est au milieu de l'enfer. C'est de là que l'ami qui est dans le paradis, il voit son ami qui est dans l'enfer, il a dit, quand la tendeur est. Et de ta langue, quitte à la tendeur. Il dit, je suis par là, il ne sait plus. Si j'avais obéi, en tant qu'un ami, tu devais me regarder. Allah, il quitte la tentative. Il ne sait plus. Tu devais me regarder. Voilà où la vie, notre Rabbi, a contourné la vie. Et d'ici, ce n'est pas la grâce de Allah qui m'a prouvé. Je devais être avec toi dans la vie. Voilà la réalité des choses, chers frères. Tu as vu ce monsieur qui dit voilà où la vie, il m'a prouvé. La grâce de Allah. La grâce d'Allah c'est immense. Wa rahmatullah wasat pour le chéri. Ça peut être dans notre vocation qu'on est capable de demander à la paradis. Et nous faisons des actions qui vont nous apporter le paradis. Et nous partons des lieux qui peuvent nous apporter le paradis. Et nous écoutons ce qui peut nous apporter le paradis. Et nous prononçons le mot qui peut nous apporter le paradis. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Wa na'udhuka min an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم لك الحمد ولك الشكر لك الحمد حتى اجعلنا ولك الحمد بعد ما اتيت ولك الحمد اذا رديت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على يا رب يا قدوس برحمتك نستغيث اسر لنا شهر كلنا ولا لكنا اذا ما فصلت طرفه عين اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم ثبتنا
جميعا للإيمان. اللهم ثبتنا جميعا على الكتاب والسنة. اللهم ثبتنا جميعا على الكتاب والسنة. اللهم ثبتنا جميعا على الكتاب والسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وحقق لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم اهدنا فيمن هديت. وعافينا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا وقنا شر ما قضيت. فإنك تعلم فائدة ما تخفي صدور. اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وخذوا على ذلك. اللهم بارك في حياتنا وبارك في أعمالنا وبارك في زوجاتنا وبارك لنا في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذا من المطمئن يا أرحم الراحمين وسائر البلاد يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا عن كيد الظالمين والمجرمين والمفسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك عدنا وإليك المصير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.